parfaitement stabilisé. Ça ne tremble pas. Alors, nous avons maintenant René Tchernychek. C'est un Allemand, contrairement à ce que vous pourriez croire. Les Allemands, c'est une véritable légion étrangère, puisque il y a des anciens Russes, des anciens Tchèques. Kharkov, Belenki, entre autres. Voilà. L'équipe d'Allemagne a réussi à devenir la meilleure du monde grâce à ce recrutement qui peut être contestable. On veut bien en prendre un, mais pas trois en même temps. En tout cas, il est excellent à la barre parallèle. Et c'est l'essentiel. Regardez, salto au-dessus. Et double carpé. Tchernychek au barre parallèle. Eh bien, il reste Kasperovic à la barre fixe, le Biélorusse. Je ne sais pas s'il est prêt avec ce système d'alternance. Mais on peut donner. Difficile. Mais il y a l'équipe de France, ou plutôt l'équipe de France d'ensemble, non? Bulgarie. Oui, c'est la Bulgarie, mais nous pouvons, pendant ce ralenti, donner la note de QI. Yann Yann qui a eu 9,75. Ah, c'est l'une des meilleures notes obtenues cet après-midi, effectivement, alors que l'Union...